Eh bien le bonjour à tous. Comme d'habitude et sans grande surprise, la vidéo du jour concerne une zone de farm que j'ai déjà farmée par le passé. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Il s'agit d'une de mes zones préférées, bien qu'elle ne soit ni la plus simple ni la plus pratique. Ma dernière vidéo à ce sujet date du 27 avril 2019, il y a 3 ans. Je l'avais à l'époque tournée sur serveur classique. Est-elle toujours rentable aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir. Cette zone concerne les Doppel, sauf que pour vous y rendre, il faudra aller en moins 29, moins 10, et entrer dans la grotte. Pourquoi farmer ici et pas dans la baie ou dans le village? Eh bien tout simplement parce que les drops ne sont pas exactement les mêmes. Ça en fait une très bonne raison. Prévoyez un métier chasseur de niveau 80 et une arme de chasse pour obtenir toutes vos viandes. Dans cette grotte, vous pourrez trouver des Doppel Sadida, Sram, Xelor, Enutroph et Osamodas. En soi, ils ne sont pas particulièrement difficiles, mais je vous conseille de faire attention à votre score d'idole si vous ne souhaitez pas mourir. Car oui, moi, je n'y ai pas fait attention et c'est le décès qui m'a attendu au tournant. C'est honteux! Prenez garde également au Doppel Sadida, le Gink, qui peut mettre ses compagnons ou lui-même invulnérables pour quelques tours, et qui invoque une sacrifiée qui peut faire pas mal de dégâts. Pour le reste, les invocations rendent les combats plus longs, mais pas de réelles difficultés. Venons-en au gain. Sur Draconyros, j'estime les bénéfices en une heure de farm à environ 240 000 Kama, ce qui est assez raisonnable. Cela donnerait environ 500 000 Kama par heure sur serveur classique, et 4 millions en team de 8. C'est toutefois inférieur au gain que j'avais pu obtenir à l'époque. Cela pourrait donc être plus rentable que prévu sur serveur classique. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile autant qu'elle l'a été pour moi. N'hésitez pas à poster un commentaire, à mettre un like, à vous abonner, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !